Là, il était là. Voici l'appareil pendant 2 mois. Voici. Voyez son pied là. Son pied est là. Hein? Son pied. Dans l'appareil. Sous l'appareil ici, c'est son pied qui est là. Très bien. Voilà, c'est ce qu'il vous plaît. Voilà, moi je passe l'image. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Voilà, c'est ce qu'il vous plaît. Moi je crois au miracle de Dieu. Je crois que j'ai un Dieu vivant. Amen. Voilà. Qui est capable de résoudre toutes sortes de problèmes. Amen. Une église qui, dont Dieu ne se manifeste pas, ça veut dire qu'il est absent. C'est comme ça que ça s'explique. Aujourd'hui est un jour important pour toi et pour chacun d'entre nous. Nous savons que tu es le Dieu que nous prions et le Dieu des miracles. Les médecins font le travail. Ils ont leurs limites. Ils feront tout ce qu'ils pourront faire. Ils seront toujours limités. Parce que c'est les êtres humains. C'est vrai, ils apportent ce qu'ils peuvent apporter. Ils font un effort pour apporter la vie. Ils ont dit les saluts, tout ça, de passage. Je salue les médecins. Voilà, ils souffrent beaucoup, les médecins, voilà. Alors, je prie pour toi. Aujourd'hui, c'est pas un hasard. L'hasard n'existe pas. Donc, j'ai fait une lecture de comment tu te retrouves dans le groupe et il y a des éléments qui me parlent. Et ça, c'est très important pour moi. Il y a des éléments qui me parlent. Beaucoup, tu intègres un groupe, tu pourrais venir un autre jour, mais pourquoi c'est aujourd'hui où on présente la couleur verte. Et du coup, tu es malade, oh, ça veut dire guérison. Amen. Voilà, ça veut dire guérison. Quand il y a des couleurs, il y a des symboles qui me disent le temps est favorable pour ton miracle. D'accord? Pour moi, c'est favorable pour ton miracle. Alors, donc, je ne parle plus beaucoup, je proclame ta guérison au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, une onction spéciale pénètre ton sang et nettoie tout dans ton sang. Maudit toute présence. Le taux de glycémie dans ton sang. Le taux élevé de glycémie est brisé par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Amen. Et je proclame ta guérison. Thank you.
quelque temps, tu viendras en témoignage. Amen. De la puissance de Dieu. Nous sommes témoins ce 12 janvier aujourd'hui. Amen. Les jours qui vont suivre. Oui, il est déjà dedans. Donc bientôt le témoignage. Avant que vous ne reveniez, il y aura le témoignage. Amen. Et puis d'ici un mois, vous allez revenir. Le processus de miracle à Mars, c'est fini, moi je crois. Allez, va t'asseoir. Amen. Est-ce qu'on peut. Ça va, tu mets tes pieds dans les chaussures. Amen. Est-ce qu'on peut clamer Amen. Amen. Donc, je voudrais rendre gloire à Dieu. Amen. Ceux qui étaient là dimanche dernier, ils ont vu. J'avais répété. Juste. On appelle ça le boca. J'avais été opéré il y a 2 mois. Est-ce que nous l'entreprise, je suis de Baruch. Donc, je suis 7 jours à l'hôpital, 8 jours, pardon. Je suis rentré à la maison. On m'a mis en achadé. Donc, les infirmiers passaient tous les jours. Achadé, il faut expliquer. Hein, parce que Achadé, ça veut dire hospitalisation à domicile. Ah. Donc, les infirmiers passaient tous les jours. Et j'avais un moment, j'ai eu peur parce que j'ai vu le trou que j'avais dans la plaie. Je me suis dit, ah. Quand ils ont serré, faut bien expliquer pour qu'on puisse mieux comprendre ce que tu as vécu et ce qui s'est passé. Quand ils ont opéré, donc ils ont enlevé la chair qui était infectée, puisque j'avais eu un microbe. Et je suis diabétique aussi, donc en même temps. La glycémie était montée, le taux de sucre était monté. C'était compliqué. Les infirmiers passaient tous les jours et je voyais la plaie. Je me disais, mais ça ne guérira pas. Après, on m'a branché une machine, une paire de vrac. Donc, ils faisaient le pansement tous les 4 jours. Explique aussi les machines parce qu'on veut comprendre. Vrac, c'est quoi? Vrac, c'est une machine, donc c'est un appareil où ils ont mis des produits avec des tuyaux, donc ils ont fixé sur la plaie. Et la machine projetait donc l'appareil continuait à projeter des produits sur la plaie. Ils faisaient même tout le nettoyage pour aspirer la saleté, la pluie. Et ça durait comme ça. Donc 24 heures sur 24, j'étais branché. Donc 24 heures sur 24, j'ai branché la machine. La machine. Et il passait. Il avait dimanche passé. Oui. Voilà toute la soirée qui était là. Donc je voulais venir ici avec Lucien, mais je ne pouvais pas parce qu'il y a la machine qui me gênait. Donc j'ai prié vraiment qu'on enlève la machine et j'ai demandé si on pouvait retirer la machine parce qu'il fallait que j'aille prier. Ils ont retiré la machine, ils sont venus ici. Alors, pour bien comprendre, ça dit, tu m'as retiré la machine parce que tu voulais venir prier, c'est oui, ça? J'avais demandé de me libérer un peu parce qu'il fallait que je vienne à la prière. Donc avec la machine, tu ne bougeais plus? Je ne bougeais plus, je ne pouvais pas bouger parce que c'est une machine qui avec une tige et tout, donc c'était grand. Je ne pouvais pas. Alors, ils ont retiré la machine, je suis venu. Le dimanche, j'avais mes béquilles, le prophète a prié pour moi, Dieu a fait grâce, et j'ai pu marcher avec la chaussure, sur l'entrée de la maison. Le lundi, mardi, je devais voir le chirurgien qui allait vérifier pour voir l'état de la blessure. Et quand je suis arrivé là-bas, moi-même, j'étais surpris de voir que la plaie était montée et il y avait une peau. Alléluia! Et le chirurgien a tout arrêté. Il est confus. Oui, il a tout arrêté. Le chirurgien dit c'est bon. Oui, il dit c'est bon, on n'a plus besoin d'infirmer à la maison. C'est bon. Cette chanson. C'est vrai que vous entendez, mais c'est trop fort. Le Dieu des lits que tu as prié,
Il est plus fort que tout. Amen. L'homme soigne, c'est Dieu. Amen. L'homme souhaite et c'est Dieu qui guérit. Je t'ai déjà dit la dernière fois, j'ai vu plus grave que ça. N'est-ce pas? Oui, c'est pas, oui. J'ai vu plus puissant que ça. C'est pas une question de grâce. Il dit, quiconque invoque mon nom sera sauvé. Amen. C'est pas le nom de ce que... Moi, j'ai ma foi, c'est tout. J'ai ma foi en lui. C'est l'essentiel. Amen. Je sais qu'il est capable. Si je le prie, c'est parce qu'il est capable de te guérir. Amen. Sinon, j'allais dire, bon courage. Ouais, bon courage. J'allais faire. Mais mes yeux ne sont pas comme des yeux humains. Amen. Je sais qu'au-delà de tout, j'ai un créateur de là-haut qui est capable de faire un miracle. Or, le miracle, c'est quelque chose de surnaturel. Amen. Et je t'avais dit la dernière fois que tout était réuni pour ton miracle. Comment tu peux venir? C'est green, c'est en anglais vert, c'est vert. Et tu. Je lui ai dit, mais tu sais que la couleur verte, c'est la couleur de la médecine. Je te disais ça. Oui. Amen. N'est-ce pas? Amen. C'était trop prophétique. Tout était réuni pour qu'il soit guéri. Amen. 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 Alléluia. Alors, ce n'est pas le travail des cassos. On a tout prié et que Dieu agit. Amen. D'accord? D'accord. Oui, c'est tout. Nous, on a prié et le Seigneur a fait ce qu'il devait faire. Amen. Avec la foi que nous avons en lui. Amen. Moi, je crois à l'impossible. Amen. Oui, moi, je crois à ça. Ce qui est impossible aux yeux des hommes est possible à Dieu. Amen. Et sachant que c'est Dieu qui guérit, l'homme souhaite, retenez ça aujourd'hui, l'homme souhaite, c'est Dieu qui guérit. Qui l'a vu dimanche passé? Quels sont ceux qui étaient là? Il a eu deux béquilles, non? Oui. Les gens, souvent les gens disent non, le prophète, est-ce que toi et moi on s'est entendu? Non, non. Mais c'est comme ça les gens mentent. Mais ma femme est là, mes enfants sont là. Et... Ouais, oui, oui, venez, 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 venez. Voilà, venez, vous allez témoigner. Monsieur, madame. Mes enfants aussi sont là. Venez. Venez. Ah oui, 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 c'est vrai, je les ai. Ça va? Vous avez déjà vu, non? Oui. Ça va? Comment vous voyez, papa? Très bien. En forme. Moi, la vie dimanche avec les bébés qui. Qu'est-ce qu'il a vécu, votre papa? Bah, il a eu un problème au pied droit. Il s'était opéré, il avait une grosse plaie. Et voilà, il a été branché pendant deux mois. Ouais. Et vous l'avez vu à la maison en train d'être branché? Ouais, il bougeait pas. La machine lui jette. Oui, ça. Vous avez les photos, vous avez les images de cette machine? Quand papa était sur. Tu as les images? Juste la photo. Donne-moi la photo. Parce que tout ça, c'est important pour nous. C'est tout ça, c'est important. Modifier votre foi pour construire votre foi. Sinon, nous savons que Dieu guérit. Hein. Pour nous, on n'a pas. Mais c'est pour vous, pour vous, pour construire votre foi. C'est merveilleux de voir votre papa comme ça. Ah oui, parce qu'il est en prison. Et ça, c'est une prison. Et ça fait mal de voir un père qui bougeait dans la maison, du coup, sur là où dans le lit. C'est plus stressant. Et quand on sort, on n'est plus. Et ça. Je comprends ce que vous avez vécu mentalement. Parce que ça affecte de voir quelqu'un qu'on aime, que notre papa, on revient, il est couché, on est prêt, on se demande, mais qu'est-ce qu'il va s'en sortir? C'est beaucoup embêté. Mais voilà, il y a un Dieu. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Amen. Alors aujourd'hui, les cas impossibles, ça sera réglé. Dis amen. Le problème de l'enfantement, ah, on va essayer. Mais oui, il est le papa lui-même. Je voulais te voir dans la photo. Voici l'appareil, n'est-ce pas? Voici l'appareil. Non, on ne voit pas sur la photo, mais juste l'appareil. Moi, mais je veux te voir l'appareil. Je suis assis. Il fallait prendre la photo avec l'appareil. Il fallait m'envoyer où j'avais le pied. Voilà, donne-moi le où tu as pris le pied. Ça vous a paru bizarre de vous le voir en chaussures, non? Hein, trop bizarre. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?
croyons que nos miracles. C'est diabétique, c'est encore plus grave. C'est plus grave. Si la plaie n'est pas bien soignée, tu fais une gangrène, on peut les remplir en plus. En plus. Est-ce qu'il y a les pharmaciens? On a ici pour nous donner toutes les informations. Ça a commencé. Ah non, ça c'est lundi que j'ai fait ça. Ça c'est lundi quand tu as fait ça. Ça c'est mardi. Ce mardi là. Oui. Alors donc on a prié pour lui. Voici ce que j'ai dit, c'est ça? Oui. Ça a commencé à se cicatriser. Il faut que les gens puissent savoir tout ça aussi. Fais-moi voir ça. Parce que tout ça, c'est important. Tous les petits détails, tout ça, ça édifie. Ça édifie. Quand vous venez de prier pour nous, vous partez après. Hein, j'espère que vous allez rester à nous. C'est quand il a vu ça, le chirurgien, qu'il a dit que tout allait bien. Alors, donc quand le regardez comment c'est devenu, ben, je veux voir ce que c'était d'abord, mon Dieu. Amène-moi d'abord. Mais maman, oui, mais il n'y a pas de. Moi, c'était trop stressant d'avoir ça dans le téléphone. Nous, on a besoin de ça. Hein? Tu ne voulais pas tout ça. Mais pour les témoignages plus tard. Ça peut rester pour les petits enfants. Bon, c'est vrai. Ça dépend. Ça va? Est-ce qu'on peut acclamer? Tout le monde est venu. Ce qui paraît bizarre aux gens, c'est le dimanche passé, à peine tu ne portais pas chaussures, et pour aujourd'hui, tu as tes chaussures. Les infirmiers sont arrivés le mercredi, ils étaient choqués. Ils étaient choqués de voir ce miracle. Puis ils ont dit, mais nous, comment on va faire? Comment on va faire finir? Dites-les au revoir. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tu t'es guéri, on fait comment? Oui, voilà. Comment l'argent, on va mailler. Les gens sont terribles. Donc, ça dit, le malheur des uns, c'est le bonheur des autres. Bon, tu as guéri donc ils vont faire comment, ils vont manger comment? C'était la panique. C'est panique. Vous t'appelez pour dire? Est-ce que le chirurgien vient regarder? Je dis, mais oui. C'est bon, si vous voulez, venez, vous allez voir. Venez voir. Non, fais-moi voir la truc. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort le Seigneur? Sinon, nous, on a la vidéo. Hein. On voit la vidéo. Je n'ai pas osé, je voulais même t'en dire, dédié à Nevi, la plaie montrée. Hein. À cause, il y a des gens qui ne supportent pas des plaies, des trucs. C'est pour ça que je n'ai pas voulu montrer. Ça, c'est avant qu'on nous le perd. Voici comment la chose était. Voici comment la chose était. Moi, je veux juste, après l'opération, c'est les éléments que je vais garder. Tout ça, c'est important. Ça construit la foi des gens. Alors, venez voir. Voilà, donc voici comment c'était, et puis ça a été opéré. Voilà. Alors, comment la deuxième image? Voilà, voici comment la plaie était. Et nous avons prié pour toi le dimanche, c'est ça? Ok. Allez-moi sur les appareils, c'est bon, je m'avais prié, on en est dimanche. C'est quand ce que tu as constaté que la plaie est venue? Non, parce que quand je suis arrivé à la maison, en fait, dimanche là le dimanche soir. Dimanche soir. Voilà. On t'a arraché les béquilles. On dit non, arrête de porter les. Et quand vous avez parlé aussi de prendre de l'eau pliée, garder sur le chemin. Oui, faire l'action prophétique. Et le matin, 5h30, oui. J'ai bu l'eau que j'avais gardée. Et j'ai senti une chaleur qui est rentrée dans mon corps. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia! J'ai senti une chaleur. Qui est parti de l'île rentrée dans mon corps, il est sorti au niveau où il y avait la plaie. Est-ce qu'on peut acclamer? J'ai dit à ma femme, j'ai fait ça, et j'ai sorti ça tout à l'heure. Amen. Amen. J'ai quelqu'un, c'est tout. Et le chirurgien a tu sais, je ne voulais pas t'effrayer.
tout est parti pour un cancer. D'accord? Amen. Et ça, je voyais ça. Amen. Mais avec Dieu, tout est possible. Est-ce que c'est que l'on vit dimanche? À peine marchait. J'ai dit, mais le truc, c'est qu'on dit Baruch. Ça m'a commencé à faire marrer parce que ma société s'appelle Baruch. Voilà, Baruch. Oui, Baruch. Hachem. Baruch. Alors, donc, il marchait à peine. Moi, je crois au miracle de Dieu. Amen. Je crois que j'ai un Dieu vivant. Amen. Voilà. Qui est capable de résoudre toutes sortes de problèmes. Amen. Une église qui, donc Dieu ne se manifeste pas, ça veut dire qu'il est absent. C'est comme ça que ça s'explique. D'autres disent, mais pourquoi vous priez pour les gens? Mais la seule, le seul moyen pour que Dieu descende, c'est la prière. Vous voulez qu'on passe bon? Pourquoi je vous en prie pour les malades? Mais parce que nous croyons que Dieu guérit les malades. Amen. Voici une preuve. Amen. Alors quand Dieu est quelque part, il vous démontre à plus près qu'il est là. Amen. Ceux qui étaient là dimanche l'ont vu avec des béquilles, tout ça. Béquilles. Après avoir prié pour lui, on a demandé de courir dans la salle. Oui. Et c'est ça qu'heureusement qu'il est venu avec sa famille. Voilà, quelqu'un qui est resté pendant 2 mois sur les appareils. Voilà, c'est les appareils qui faisaient les pansements, c'est ça, les soins, pour annuler les plaques, les plaques. Oh là là, c'est des choses que je vais prendre comme image. On a besoin de ça. On a tous besoin de ça. Pas pour nous, mais pour ceux qui sont incrédules. Comment je t'ai invité, non? Pour les incrédules, les adeptes du diable. Parce qu'ils ne croient pas que Dieu est capable. Quand on dit Dieu, c'est l'être suprême. On ne s'attire pas une gloire. Non, non, non. On ne fait pas ça pour s'attirer une gloire. On vous dit qu'on enfonce ce Dieu-là. Et si le médecin dit que c'est bon, mais Dieu, il peut encore agir. Amen. 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 Ça va? Ça va. Tu es content? Très content. Très content. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut l'acclamer? C'est maman, c'est ça? C'est la soeur qui est là. Moi j'ai vu la partie qu'on a opérée, on a vu. J'ai vu une femme qui avait des fibromes dans le ventre. Elle est venue me voir dire oh, cette dame. C'était de tout. Fibromes, c'est comme bébé. Ça a les mêmes symptômes, tout ça. Et la femme, on a prié pour elle. Elle dit qu'elle a senti la guérison. Et quand elle allait à la maison, elle a poussé. C'est tombé comme un bébé. Et que nous avons vu ça après. C'est comme un enfant. Le fibrome, là, c'est comme un bébé. C'est quelque chose qui reste dans le truc. Mais c'est comme. Ça n'a pas de forme, mais celle-là est bizarre. Voilà. Voilà, merci. Très bien. Voilà, c'est ce qu'il vous plaît. Voilà, moi, je passe l'image. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Voilà, c'est ce qu'il vous plaît. Ça, c'est des preuves. Voilà. Hein? Vous voyez donc, voici comment la prière est venue. Tu peux arriver là, je suis là-bas. Oui, je peux. Hein? Oui, je peux. Ah, parce qu'il ne faut pas que ça arrive dans le pied là-bas. Oui. Vous voyez ça? J'ai vu ça, ce paradis. On s'en fout des paradis. Ça faut juste regarder. Les gens disent non, c'est des montages, c'est des gens. J'ai mis juste l'esparadrap. Voilà, il a mis juste l'esparadrap. Et dimanche, quand je suis venu, je ne pouvais même pas mettre une chaussure. Mais non, laissez. Dimanche, tu ne pouvais pas mettre une chaussure. Non. Non. Est-ce qu'il portait une chaussure à la maison? Non. Non. J'avais le tube que j'avais là. On dit Baruch. Non, on dit c'est Baruch. Baruch. Vous m'avez donné le nom changé. De Baruch. C'est quoi Bouka qui habitait là-dedans? De Baruch. Tu m'en donnes le vrai nom. Allez, tu peux te chausser. Ok, merci. Ben, nous avons la vidéo, hein. C'est pour dire. Nous avons la vidéo. Hein. Il y a la vidéo. Hein.
il y a la vidéo. Alors, je vais juste montrer la vidéo. Juste montrer la vidéo de moment prier pour lui ici, pour que les gens comprennent que on a aussi la vidéo, on a l'élément vidéo, la preuve que Dieu, il est présent. On dit pas amen? Amen. On n'attend pas le Seigneur. Je vois la bien-aimée délivrée. Son pied qui était amputé, manger avec la sauce akasaka. Ah, c'est la sauce qu'il mangeait. C'est pas moins. Chez nous, on appelle ça pas moins. Je vous dis sakasaka. D'accord? Chacun a son nom qui tord. La sauce Bamouen, eux c'est Saka Saka. Les gars voulaient manger. Voilà. Là je suis là. Mes pieds, ils sont rouges. Bon, les choses viennent sur moi. Là il était là. Voici l'appareil pendant 2 mois. Voici. Voyez son pied là. Son pied est là. Hein? Son pied. Dans l'appareil. Sous l'appareil ici, c'est son pied qui est là. Voilà. Comme ça, moi, quand vous avez des trucs, c'est vrai que ça chauffe, mais. Prenez les images, c'est important. Voilà. Voici le pied. Est-ce que vous voyez bien? Voici le pied qui est bandé là, quelque part là. Voici l'appareil. Vous voyez? Maintenant, vous avez vu, voici le pied ici. Avec, voilà, voici le pied. Voilà. Et il est resté pendant 2 mois. Pendant 2 mois. Très bien. Je vais montrer la vidéo. Est-ce que ça va? Amen. On peut acclamer Jésus. Je vais montrer plus ou moins l'élément vidéo. La chose. Et donc, quand vous avez fait l'action prophétique, vous avez senti qu'une chaleur vous a pénétré. C'est sorti du pied. Là où il y avait la plaie. Ouais. J'ai senti une chaleur qui sort. Ouf. C'est quoi ça? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? T'as dit ça? Ah oui, t'as dit ça? Ça s'est passé lundi matin. Ça s'est passé lundi matin. Super. Et quand tu as senti la chose, tu as dit, oh, ça venait. Oui, j'ai dit, c'est fini, c'est ça. Jésus. Le diable est parti. Le diable est parti. Est-ce qu'on va t'aimer Jésus? A quoi bouillon, à quoi bouillon les Jésus moi. À quoi bouillon les Jésus moi. Voici la vidéo. Vous allez
avait mangé ça et ça cassait quand elle le rit. Qu'est-ce que nous accompagnez à sa cassette chez vous? C'est le riz ou bien c'est. Ah, le manioc. Vous savez que vous consommez la feuille, voilà, tout, voilà. Tout ce qui est sur manioc. C'est quoi ça? Mais pas que dit manioc. Mais je sais. Ouh, tu m'as parlé, je sais. Je sais quelque chose. Chez nous, c'est pas moins. Ouh, pas moins, la sauce graine dedans, on mélange avec pas moins. Reste tranquille, tu rends témoignage. Tu rends témoignage de cette sauce. Chez nous, chaque région, on a plus de 60 ethnies, donc chaque région a sa spécialité. Alors, Bangoué, là, chez nous, comme Sakasaka, là, à l'ouest. Moi, je suis du centre-ouest. Voilà, donc chez nous, il y a l'ouest carrément, c'est les Guéré. Et précisément ceux de tout le peuple qui font frontière à la Libéria. Et quand tu viens, c'est Bangoué. Le bamouin, il est très bon pour le cœur, il paraît. La feuille de manioc, c'est très bon pour le cœur. Il paraît que sur le plan scientifique, quand quelqu'un est mordu par un serpent, il suffit seulement de piler pour boire le jus, le venin sorcier. C'est des choses que vous ne savez pas, mais je suis en train de vous apprendre ça aussi. C'est comme l'écorce de le corps du colatier. Le corps du colatier, c'est un anti qu'on appelle oxydant. Oui, qui est très puissant quand quelqu'un est mordu par un venin. En même écorce, feuille de bois, je l'ai déjà vécu à Soubré. Dans la région de Soubré, j'ai déjà vu ça. Les gens disent, oh non, c'est un petit problème. C'est pas la peine de placer un garrot. Oh, ils connaissent. Non, c'est planté dans les coups des gens. On manœuvre, on fait, on pile. Vous voyez, même Dieu, pour notre guérison, les plantes. C'est parce qu'on ne sait pas si chaque plante a un effet. À quelque chose d'important pour l'homme. Donc tout ce qu'on mange là, c'est important. Manger feuilles, manger bio, c'est important. L'écorce de colatier, dès qu'il boit ça, le venin est descend. C'est comme votre feuille de manioc. C'est aussi puissant comme ça. C'est pareil comme ça. Le vert, le jus vert, feuille boit ça. Il neutralise, il chasse tout ça dans le sang. Vous voyez Dieu comment il est merveilleux. La Bible dit dans l'Apocalypse, il a donné même les plans pour les guérisons des nations. Dis à quelqu'un, Dieu est trop merveilleux. Dieu est trop merveilleux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et les gens font les recherches, telle plante, c'est Dieu qui a donné. C'est le mystère. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc tu réponds le service. Mais comment c'est rapide quand tu. Oui, c'était rapide. Non, non, mais tu as fait 2 mois sans. Oui, 2 mois, j'étais. Mais quand c'est venu, tout est parti vite. Oui, quand tu es venu, tout est parti vite, parce que c'est parti dimanche. Oui. Mais c'est à quel moment tu vas reprendre? Tu allais. Non, personne ne savait, mais moi-même, je ne savais pas. Oui, tu ne savais pas que tu vas reprendre. Oui, puis ces infirmiers se disaient que ça va aller jusqu'à peut-être juin, juillet. Ah, ils te disaient que ça allait ça. Oui. Ça pouvait aller jusqu'à juin, juillet. Si j'ai posé la question, je me dis non, mais je ne sais pas. Parce que, en plus, vous êtes diabétique. C'est compliqué. C'est pour ça qu'ils n'ont pas accepté ça. Oh, le piège, on mangeait avec le sac à sac. Et Dieu a eu pitié. Il vous dit, ah, laissez le piège, ramène ça, vite. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Ramène le piège. Parce qu'on pense au pas des pieds de porc. Oui, mais les pas de mort. Je suis musulman, parce qu'on nous a élevés dans l'islam. Ça me disait, mais le jour j'ai mangé pas de porc là. J'ai cherché ça. J'ai cherché ça partout. J'ai dit, ah bon, c'est comment ça est. Je me suis privé de ça. Mon frère, c'est comme ça, c'est terrible. Hein? Ah, tu vas manger ça un jour, déjà comme ça. Amen. Amen. Donc on est là comme ça, il freine nos pieds, puis c'est devenu pas de quelque chose. Dans ce sens. D'autres c'est dans ce sens qui voulait être la carrière. D'autres c'est dans ce sens à la chute. Oh le frère, il a dit non, bon c'est possible. Donc, du coup, les filles ont dit non. Ils ont demandé le nom du chirurgien. Pour vous vérifier. Parce que non, ils voulaient le contester. Quoi. J'ai dit, mais si vous voulez, moi je vous montre, vous allez voir.
Mais venez voir. Voilà, venez voir. Moi, je vais vous aider. Voilà, il n'y a plus que la peau, bien que c'est encore bouché. C'est fini, monsieur. Et là, disent comme en une semaine, ça peut se passer comme ça. Mais c'est même pas une semaine. Trois jours. En deux jours. Deux jours. Sans deux jours, donc, mais c'est pas, c'est pathétique. Bien, bien. Dis à quelqu'un, c'est ça qu'on appelle le miracle. Tu sais, il y a quelqu'un qui est venu me dire à l'oreille, papa, est-ce que le monsieur n'est pas guéri? Je ne dis pas le nom de la... Ce dimanche, j'ai dit oui. Amen. Et la personne m'a dit, il y a le diabète, c'est possible que... Vous voyez, il y a des gens souvent qui viennent pour affecter notre foi. Dieu s'en fout du diabète. Dieu s'en fout. C'est pour ça que quand vous avez la foi c'est ce que... C'est-à-dire qu'il faut croire. Dès que tu crois à l'impossible, ça s'installe. L'homme ne souhaite, mais c'est Dieu qui guérit. Amen. Les gens peuvent avoir toutes les connaissances scientifiques. Ils vont t'opérer, puis demain, quand ils tombent d'eau, tu es mort. Et puis c'est dit, mais attends, il est mort de quelle maladie? Mais c'était rien ça. Ben oui. Parce qu'il y a des choses qui ne maîtrisent pas. Il y a des choses qui sont purement spirituelles. Nous sommes tellement réjouis. Hein. La vidéo est là. Hein. La vidéo. Ça va, ça donne une semaine. Une semaine. Mais tu viens de très loin. Le pied était dans la sauce. Qu'est-ce que c'est? Non, sauce moussaka. Ah, c'est moussaka. Moussaka, c'est l'eau de palme où on fait une sauce. Mais sakasaka, c'est quoi? Du trophée. Non, sakasaka, c'est la fête du manioc. C'est la fête du manioc, ça fait sakasaka. Oui. Et quand c'est dans la sauce, c'est quoi? Quand ça vient dans la sauce. C'est toujours sakasaka. Mais c'est de ça que je parle. C'est cette sorte que j'aurais tenu chez vous. Ton frère nous a fait ça, sa femme nous a fait cette sauce-là, le 30e, que Dieu bénisse. Amen. Et nous, on fait ça le 30e, c'était vraiment super. C'est ma petite soeur. C'est ta petite soeur. La femme de... La femme de Lucien. Lucien. Ça va? Lucien, ta femme a fait sa casse à canabre. Le 30e. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ pour ça? Amen. Dis à quelqu'un, c'est merveilleux. Amen. Dis à quelqu'un, c'est merveilleux ce que Dieu fait. Parce que nous, on vous suivait par les vidéos à l'époque. C'est moi qui vous avez découvert. Bon, tu as découvert. J'ai parlé à Lucien. Et puis Lucien est venu, n'est-ce pas? Lucien a fait des recherches. Et puis il a vu. Il a trouvé l'adresse et ils sont venus ici. On a Lucien, Lucien même l'a engagé jusqu'à fatiguer. Maintenant c'est Lucien qui t'envoie pour être guéri. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lucien vient. Est-ce que... Ben, c'est la foi, hein? C'est une question de foi. C'est une question de foi. Sauf ça, cette histoire-là, la foi est trop individuelle. Chacun d'entre nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Amen. Heureusement, Lucien dit vient. Et ça a coïncidé, n'est-ce pas, avec la rencontre avec la famille, le groupe, son groupe, et tout était prophétique. Ah. Et ce jour, on présentait la couleur, j'ai dit, est-ce que tout est réglé? Amen. Amen. Comment tu le trouves? Tu es content? Je suis très très content. Il a lâché les dobliers, là il marche. Il marche, oui. Ça fait deux jours. Il a donné le signe, et gloire à Dieu. Il a senti que quelque chose, pouf, est parti. Voilà. Ça prouve que ce n'était pas naturel, c'est qu'il vient. Voilà. Ça va? Ça va. Madame, ça va? Ça va. Jamie, mon chéri? Oui. Oh, amen. Amen. C'est stressant quand on voit quelqu'un malade, que quelque personne qu'on aime est souffrant, on se pose des questions, elle pourra s'élever quand? C'est ça le côté bizarre. Tu avais peur que le pied soit amputé? Parce qu'en fait, le temps que la maladie a commencé, on dormait en pleine nuit vers 3h du matin. Je fais un rêve, je vois un mille pattes, quelque chose qui rampait, qui venait en direction. On me réveille, Romaine, regarde.
j'ouvre les yeux, mais j'étais dans mon sommeil, enfin, un sommeil léger. Je me réveille, je regarde, je vois quelque chose qui venait en direction. Je me suis, j'ai sursauté de mon lit, je l'ai réveillé, là, il faut comprendre. Mais qu'est-ce qui... Je tremblais. On s'est agenouillé, on a prié de 3 heures jusqu'à presque 4 heures passées. Même lui, il était fatigué. Le sang de Jésus. On a invoqué le sang de Jésus, on a prié, même je parlais au travail. C'est une forme de prière, par contre. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Ayez une forme de prière, amen. Ah oui, merci beaucoup. J'avais peur quand même. On m'a dit, l'esprit est fervent, mais la chair est faible. Quelque part, la chair prenait le dessus. Oui, je voudrais que ça arrive. Voilà. Est-ce que Dieu est grand, il va faire quand même. Il a fait. Mais j'avais peur. J'avais peur, j'avoue. Prier, c'est une chose. Avoir la foi, c'est encore une autre chose. Vous comprenez? Prier, c'est une chose, mais avoir la foi, c'est une autre chose. La foi nous-mêmes, c'est de changer de manière de voir. On ne voit plus la situation, on voit la solution. C'est ça la foi. Or, si nous ne changeons pas nos manières de voir, nous allons rester dans un stress et continuer toujours de prier. Or, les gens, ils prient, ils n'ont pas la foi. Or, c'est la foi que Dieu exauce. Dis amen. Amen. C'est pas la prière que Dieu regarde, c'est la foi. Si tu as la foi, c'est fini. Tu n'as pas besoin de forcément de prier, de prier. C'est la foi. Mais merci au moins. Tu as prié. C'est Dieu. Madame Corolle était dans mon temps. Elle avait vu cette idée. Elle avait vu ça aussi. Ah, c'était lui. Elle est tombée sur l'onction. Gloire à Dieu. Alléluia. Et si dans cette église, tu es guéri. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Allez-y, à la paix du Seigneur. Vous pouvez chanter un chant. Vous là, vous chantez le Shwaouli, vous chantez le Shwaouli, vous chantez l'Ingala. C'est quoi? On l'a ri. C'est quoi ça vous dit? C'est quoi vos chants en Shwaouli? Ah, Lingala, vous avez fini la chanson, Lingala. Allons-y en Lingala. Amen. Parce que nous, on a chanté la Bozi, hein, ça c'est petit. Hein. Amen. Donc, comment les filles vont chanter Lingala? Vous êtes bien ici, non? Vous-même, la Congolais, là, tout est intéressant. Petite chanson, c'est tout dans l'oreille. Un chant, dont l'explication. Comme ça, nous, ça nous plonge déjà dans la chanson. Amen. Faut nous faire plonger dans la chanson. Oui, parce que quand tu donnes l'explication, même si on ne comprend pas, on vit déjà la chanson. Ça nous emporte. Les paroles. Alors, dans le chant, on demande mon frère, ma soeur, ton ami, c'est qui? Et moi, mon ami, c'est Jésus, mon ami. On dit merci Jésus quand même. Les chefs d'amis aujourd'hui, il y a plein de chants. Natodi Okolo. Oui, tout est tout dans l'oreille. Alléluia, Natodi Okolo. Amen, amen. Natodi Okolo. Alléluia, Natodi Okolo. Amen, amen. Natodi Okolo. Alléluia. Le groupe musical. Allez, prenez la chanson là-bas. Très bien. La loi musicale. Chanter, je suis d'avoir l'oreille musicale. C'est ça la musique.
Il faut avoir l'oreille musicale. Amen. Être capable de retenir et puis refaire la chose. C'est tout. Quand tu vas en studio, c'est la chose qui est plus importante chez l'arrangeur. Alors que Dieu vous bénisse. On se tient debout, on étend les mains ici. Bénissons cette famille. Voilà, Seigneur, merci. Nous te rendons toute la gloire. Merci pour cette famille. Continue de la bénir. Continue. Tu as commencé. Et nous sommes convaincus que tu achèveras l'œuvre de ta main. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Allez, allez, nous que Dieu vous bénisse. On a encore besoin de vous le prendre pour ça. Tu vois maintenant. Est-ce qu'on peut parler?